Et début mars, c'est un des temps forts des Bargeaux du tango. J'ai le plaisir de recevoir Hélène Guillaumat. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la présidente des Bargeaux du tango, de l'association, hein, je ne me permettrai pas, les Bargeaux du tango. Et vous êtes venue avec Elisabeth Moreau. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la trésorière de l'association. Alors avant de parler de ce temps fort hein, du 8 au 10 mars, présentez-nous l'association. Je crois que c'est la première fois que vous venez sur le plateau de Culturel. Qui sont ces Bargeaux du tango? Ce sont des Bargeaux, des gens passionnés. Bargeaux au sens de passionnés, en fait, de cette danse ou de cet ensemble de danse d'origine argentine. Donc on dit tango tout court aujourd'hui, mais c'est le tango argentin, pas le tango européen. On est une association qui est née en 1996, qui a une jolie petite histoire derrière elle. C'est une association d'amateurs, de passionnés. On est là pour apprendre à danser ensemble. C'est de la danse sociale, hein, de la danse de bal. C'est pas du tango de démonstration, du tango de scène. Nous, ce qu'on apprend, c'est à danser à plusieurs, tous ensemble, et à partager des émotions, du plaisir sur de la musique, et voilà, l'harmonie, tout ce que le tango argentin peut nous apporter. Alors, vous avez dit tout à l'heure, vous êtes reprise les danses, ça veut dire que le tango argentin, il y a plusieurs styles ou c'est plusieurs mouvements de danse? Oui, ça correspond à différents rythmes, en fait. Mmh. En tango argentin, il y a trois types de danse. Le tango lui-même, qui est une danse assez binaire sur un rythme, 1, 2, 3, 4, enfin, on ne les compte pas, etc., mais c'est pour donner un ordre d'idée. La valse argentine est le deuxième type de danse, et ensuite, il y a ce qu'on appelle la milonga, qui est une danse beaucoup plus rythmée, plus rapide, plus joyeuse. Moi, je me suis toujours posé cette question-là pour ceux qui ont envie de danser du tango. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme prérequis? Et surtout, est-ce qu'on est obligé d'être en deux? Pas du tout. Voilà. On peut venir tout seul. On a tout, tous seul. Commencé tout seul. Oui, c'est ça. Voilà. Ça se danse à deux. Mm-hmm. Bah, juste pour le dire, que dans un bal, par exemple, on danse avec une personne pendant trois danses. Et ensuite, on danse avec quelqu'un d'autre pendant trois danses. Et ensuite, on danse avec... Et on ne danse souvent qu'une seule fois avec chaque personne. Oui. Jamais deux. Et donc, quand on apprend le tango, bah, on apprend aussi à danser avec des gens différents. Oui, c'est ça. Voilà. Ça permet... Oui. Mais on change... C'est ça qui est riche et qui est magique. C'est une danse d'improvisation. Donc, en fait, à chaque fois, c'est une rencontre. Et même quelqu'un avec qui on a déjà dansé, avec qui on est habitué à danser, à chaque fois, ça peut être une surprise. En fait, on ne sait pas ce qui va se passer la demi-seconde d'après. Et pour répondre à votre question sur les prérequis, ben, il n'y en a pas. En fait, la plupart des gens qui arrivent chez nous n'ont jamais dansé, ne savent pas ce que c'est. Ils nous disent « Oh, moi, je suis raide comme un piquet, j'ai pas le sens de la musique, etc. » Et c'est absolument étonnant comme on voit certaines personnes se révéler dans la danse, apprendre à bouger, à l'entendre et surtout à descendre dans leur corps. En fait, c'est le but du jeu, c'est d'apprendre tout simplement à s'écouter, à savoir ce qu'on peut faire avec son propre corps. Tous les corps sont bons à danser, quoi. Oui, c'est ça. C'est étonnant. C'est ça. C'est une danse très exigeante, en fait, au sens où on fait attention à l'autre. Alors, le guideur, il met sa partenaire en sécurité et il lui propose des pas, d'aller à droite, à gauche, ou devant, derrière, de tourner, de pas tourner, il y va, puis finalement, il hésite, il revient. Enfin, bon, c'est vraiment un jeu. Et la partenaire, en général, elle accepte les propositions, mais c'est elle qui y va. C'est pas une danse de macho qui impose. C'est vraiment une danse. Un dialogue entre les deux. Un dialogue. Exactement. Et quand on danse, on pense pas à autre chose, parce qu'il faut vraiment donner le meilleur de soi-même à chaque fois. Et il n'y a pas beaucoup d'activités où on est obligé d'être aussi attentif à l'autre et aussi attentif à soi-même et à donner le meilleur et à... Et c'est pour ça que c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est pour ça que c'est magique, parce que... On le voit, on le sent à vous écouter. Vous avez le sourire, on le voit sur les images, les photos. Alors, justement, on peut évidemment venir prendre des cours danser avec vous. Mais sinon, là, il y a un temps fort du 8 au 10 mars avec Super Format. Comment ça se construit? Qu'est-ce qui va se passer pendant ces trois jours? Alors ça, c'est un week-end qui a lieu une fois par an depuis très longtemps. Ça va être la 21e édition cette année. On a le plaisir d'être accompagné par la structure de Super Format qui, en fait, nous permet d'inviter une fois par an un magnifique orchestre. On fait toujours en sorte d'inviter un orchestre soit bien installé, bien connu dans le monde du tango, soit des petites pépites montantes qu'on essaye de dénicher et qu'on participe à faire connaître et qu'on a eu le plaisir après de voir tourner dans d'autres festivals et d'autres week-ends. Donc on est content quand on
quand on les déniche comme ça. Et donc ce week-end, il est construit d'une part autour d'une formule de stage avec des, ce qu'on appelle dans le monde du tango des maestros, c'est-à-dire des professeurs renommés, reconnus, bien installés dans le paysage avec une capacité de pédagogie et de démonstration voilà, qui sort de ce qu'on peut faire nous. Alors cette année, c'est Cécile Rouen et Rémi Esterl. Tout à fait. Qui sont très créatifs, très modernes dans leur danse. Le tango argentin a parfois une image un petit peu de danse un peu ancienne, un peu vieille. C'est vrai que les origines ont plus d'un siècle. Mais par contre, des artistes comme ça, ils renouvellent complètement la façon de jouer avec la musique. Et c'est étonnant de voir comment ils bougent et comment ils font des choses très modernes sur des musiques, parfois des enregistrements très anciens. Donc voilà, ils viennent nous donner des cours ce week-end-là. On va faire des cours collectifs, des cours semi-particuliers. Et puis chaque soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche après-midi et soir, on fait ce qu'on appelle des milongas. Et là, c'est le mot milonga, mais au sens de bal. C'est l'endroit où on va danser. C'est le bal tango. Ça s'appelle une milonga. D'accord, parce que vous l'avez utilisé tout à l'heure pour parler d'une des... Voilà, c'était un type de danse, ouais, et c'est également l'endroit où on dansait, le bal. Et en Argentine, la milonga, c'est même l'endroit qui accueille. Ça peut être le café, le restaurant, la salle de danse. Donc la milonga en Argentine a trois sens possibles. Oh, ouais, y a vraiment la notion de partage qui est très présente. L'Amérique du Sud et les Argentins sont aussi connus pour cette culture-là d'accueil et de longues soirées à danser, à chanter. Donc du coup, là, on n'est pas obligé de venir faire les ateliers, on peut profiter de... Pour les tangueros, eux, ils vont venir le vendredi pour danser, mm-hmm. ils vont venir le samedi après-midi ou le dimanche après-midi pour prendre un stage, ils vont venir le samedi soir pour danser et ils vont encore venir le dimanche après-midi pour danser. Ça, c'est les tangueros, les danseurs passionnés. Voilà, les danseurs de tout l'Ouest, hein, de Paris à Brest. Et par contre, les non-tangueros, eux, ils vont pouvoir venir le samedi soir. Ils vont s'installer dans les gradins et ils vont regarder l'orchestre qui est sur la scène. Ils vont pouvoir aussi regarder les danseurs, comment chaque couple interprète la musique. Ils vont aussi admirer la démonstration des maestros et sans danser. Ce n'est pas réservé aux danseurs. Le samedi soir, ce n'est vraiment pas réservé aux danseurs. Donc le samedi soir, si je n'ai pas envie de danser, mais que j'ai envie de voir l'ambiance, voir comment ça se danse, d'écouter, etc., je peux venir aux Saulnières en profiter. Direction les Saulnières pour voir en plus un très, très grand bal avec une ambiance très particulière. Parce que les soirées des Saulnières, c'est l'événement de l'année en tango au Mans. C'est comme l'année dernière, c'est plus de 200, presque 300 personnes sur la piste. Et c'est assez étonnant de voir comment un bal avec autant de monde bouge, circule harmonieusement et comment les gens s'amusent chacun dans sa petite bulle, les uns à côté des autres, en se respectant et partagent un grand espace, mais avec une forme d'intimité, de créativité qui est propre à chaque couple au moment où il se forme et où il évolue sur la piste. Oui, c'est ça, parce que magique. Comme vous le disiez, ça change le long de la soirée. Donc, c'est-à-dire, vous commencez la soirée, vous ne savez pas avec qui vous allez tomber. Donc, Il y a tout un système d'invitation par le regard, par l'endroit où on se met dans la salle, la façon dont on se regarde, dont on se fait des signes, etc., qui fait qu'en fait, en fonction de la soirée, on bouge, on invite, on se fait inviter, on noue des petits dialogues et on va danser, et puis on s'arrête, et puis on parle, et puis on recommence. Et voilà, Alors, je vais poser une deuxième question, peut-être un peu bête, mais c'est toujours une femme, un homme ? Toujours. Ça change beaucoup. C'est ça ? Là, vraiment, on sent que, comme dans la société, hein, ça change beaucoup. Il y a un petit peu plus de femmes que d'hommes à danser. Donc, il y a beaucoup de femmes qui se sont mises à guider parce que c'est vraiment deux rôles différents. Celui qui guide et celui qui est guidé, c'est vraiment deux rôles différents. Oui, en dehors de l'identité. C'est vrai que traditionnellement, c'était les hommes qui guidaient et les femmes qui étaient guidées. Mais ça change beaucoup. Les femmes apprécient de guider par un homme ou par une femme. Et les hommes commencent aussi à apprécier d'être guidés. Et il y en a, alors ils ne sont pas encore très très nombreux, mais suffisamment pour, et ils apprécient ce côté différent du guidage. Et quand c'est magique, c'est quand les trois, la musique, le danseur et la danseuse, ou les deux danseuses, ou le danseur, ne font plus qu'un, arrivent à communiquer suffisamment pour... En fait, dans ces cas-là, on est dans un rôle, on n'est pas du tout dans un genre. Quoi. Oui. C'est vraiment le plaisir de... Je donne un guidage, je donne une intention de faire un pas, un mouvement, etc. Et si je suis le ou la guidée, je suis dans l'intention de le recevoir et de faire ma contre-proposition dans ce dialogue, d'interpréter, de jouer en fonction de ce qui m'est proposé. Et en fait, voilà, on est plus dans un échange de rôles.
que de genre, vraiment. Quoi. C'est, Alors, les tangueros, comme vous dites, les barjots du tango, ça veut dire vous pratiquez combien de fois par semaine? C'est quoi Les cours le jeudi, mmh. avec des professionnels, hein, tous les jeudis. Des entraînements le vendredi. Parce que, bon, alors là, c'est plus... C'est ce qu'on appelle la pratique. La pratique pour, ouais, on s'entraîne, on vise, on se voit. Des balles. Et puis, oui, régulièrement, des balles le samedi à Tours, à Angers, à Laval. Oui, c'est ça, parce que vous disiez, évidemment, il y a des gens qui viennent d'un peu partout, de Sarthe, mais évidemment, des autres... En fait, on organise à tour de rôle, entre les associations, il y en a partout en France, de temps en temps, chacune organise une milonga, un bal. Et donc, ce qui est sympa, c'est d'aller les uns chez les autres, d'aller rencontrer d'autres personnes, d'autres assos, écouter d'autres DJ qui passent la musique, voir quelle musique ils passent, etc., voir d'autres ambiances, aller profiter des orchestres qui sont invités à droite ou à gauche, parce qu'on n'a pas tous les moyens de financer plusieurs fois par an la venue d'un orchestre. Donc on va chez les assos qui, chacune à leur tour, en invite pour entendre de la musique live, parce qu'il y a, il y a quelque chose qui se passe qui est spécial quand il y a un orchestre. Oui, parce qu'il y a l'orchestre, mais vous avez aussi des DJ hein, qui viennent le dimanche, notamment, je crois. Alors, en fait, dès qu'il y a une milonga, on a besoin de quelqu'un pour passer de la musique. C'est un job très, très spécifique. Ça ne s'invente pas. C'est pas juste, tiens, je mets une playlist, j'appuie sur un bouton. Il y a quelqu'un qui est derrière, qui fait... C'est pour ça qu'on appelle ça un DJ, hein, vraiment. Il est là pour voir, prendre la température de la soirée, réagir en fonction de ce qu'il a comme feeling avec les gens dans la salle. Il voit les musiques qui marchent pas. Il est chargé d'entretenir l'énergie de la soirée en fonction des morceaux qui va passer, etc. Donc c'est hyper important. La personne qui passe la musique dans une soirée, c'est très important. Et donc il y en a à chaque fois qu'on fait une milonga. Du coup, c'est des DJ qui sont spécialisés dans la musique. Pas que de la musique tango. Dans ce cas-là, ça, ouais. On est ce qu'on appelle un tango DJ dans ces cas-là. C'est ça, c'est ce que j'allais vous demander. Voilà. Ouais, tout à fait. Moi d'ailleurs, je le fais. Donc je musicaliserai la dernière soirée, celle de dimanche après-midi, le 10 mars, en alternance avec l'orchestre samedi. On a aussi une DJ qu'on fait venir de Rennes qui s'appelle Marinette Petit Pas. Et pour le vendredi soir, pour la soirée d'accueil, là, ça sera entièrement DJ aussi. C'est Antonio Rodriguez qu'on fait venir de Bordeaux, qui est voilà, ce sont des gens réputés dans le monde du DJing en tango. Ah, c'est des mondes qu'on ne connaît pas forcément, mais qu'il est bon de découvrir. Et justement, si, comme moi, vous n'avez pas encore passé le pas de danser du tango, sans mauvais jeu de mots, le 9 mars, pour les non-aguerris, les non-tangueros, on peut aller passer la soirée, les voir danser. C'est très, très beau. On voit les images. C'est magnifique de toute façon. Et écouter la musique, le concert. Et puis, surtout le week-end, du 8 au 10 mars, c'est ouvert à tous les gens qui veulent danser et vous rejoindre. Et ça peut être l'occasion de faire connaissance avec nous, avec l'association. Si des personnes, à l'occasion de la soirée, du week-end, veulent venir nous voir, nous poser des questions, on est à disposition. On est toujours ravis d'échanger et d'accueillir des nouvelles personnes. Vous avez compris, on est passionnés, on adore transmettre ça. Non, je n'ai pas trop senti que vous aimiez ça. Non, mais oui, vous arrivez même presque à me donner envie de danser. Et pour ceux qui me connaissent, c'est rien de dire. J'avais amené des chaussures pour les montrer au cas où. Merci beaucoup à toutes les deux d'être venues nous présenter ce week-end. Profitez bien de ce temps fort du 8 au 10 mars au Solnia avec super format Les Barjots du Tango. Et puis vous qui êtes derrière la télévision, si vous n'aimez pas de tanguero, vous y allez le samedi soir. Vous l'avez bien compris. Merci à vous. Merci beaucoup. On finit tout en poésie avec West Auteur à la librairie Tuard pour le printemps des poètes, tout de suite dans Culturel.